deux choses. La première, c'est à cause de Jessica. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Tu m'as incité, oui, on ne peut pas dire autrement, à retourner. Où ça? Hein? Bah, chez Action. Bon, j'arrête de trouver des excuses. Jessica ou pas, j'ai été chez Action. Regardez, je peux vous prouver. Il n'y a que ce qui est souligné et entouré qui est du scrap. Le reste n'est pas du scrap. Donc, allez, je suis à moitié pardonnée. Bref, trêve de blabla. Cette petite vidéo pour vous présenter les quelques petites choses que j'ai trouvées chez Action. Et également pour vous expliquer comment va se dérouler le concours des 1000 abonnés. Alors, j'ai réfléchi de long en large, de large en long, dans tous les sens. Et en fin de compte, j'ai fait très simple. Si le concours vous intéresse, je vous invite à attendre la fin de la petite vidéo. Alors, pour le haut d'action, tout d'abord, j'ai repris mon ticket s'envol. Oui, désolé, il y a du bazar partout, mais il y en a vraiment partout et vous voyez qu'une partie. J'ai repris les petits blocs comme ceci qui sont texturés avec le fameux papier jaune. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais honnêtement, moi je l'aime bien. Enfin, en tout cas, dans des créas vintage, il passe très très bien. À combien est ce petit bloc? Je pense que je ne l'ai peut-être pas entouré. Ah si, carton de bricolage, 1,52€. Voilà le basique. Alors, je vous présente ceci. Je n'ai pas le prix, parce que c'est à ma fille qui m'a demandé de le garder à la maison pour rassembler toutes ses affaires scolaires. Bah oui, vous voyez. C'est une... voilà, les petites fardes à rabat comme ceci. Je sais de tête que c'était moins d'un euro, mais vous voyez, il y avait vraiment plusieurs couleurs. C'est du A4. Je la trouve vraiment, vraiment sympathique. Enfin, ça sort des dessins enfantins ou du plastique tout basique. Parce que ma fille est aux études, mais bon, elle a 20 ans. Donc, les Disney, c'est plus trop pour elle. Toujours dans le basique, j'ai repris ceci. Qui coûte, depuis le temps, je devrais connaître le prix. Mais je ne le retiens pas. 1,35€. Donc voilà. Voilà l'objet de ma visite dans le rayon scrap de chez Action. Oui, les mini twin markers. Je pensais vous faire une vidéo avec les rendus, etc. Mais encore une fois, prise par le temps, je ne l'ai pas fait. Alors, quoi, combien sont ces mini twin markers? 18 pièces, 1,99€. Je referai peut-être juste un petit clip pour vous montrer ça et alors le rendu aussi de ce que je vous montre en dernier, de ce que j'ai trouvé. Je vous rassure, hein, le haul ne sera pas long, il n'y a pas grand-chose. Ils ont commencé à mettre en rayon les trucs d'automne et donc j'ai racheté déjà les petites feuilles. Oh mon Dieu, elles sont rouges. Hein. Elles sont quasi rouges et là, vous les voyez jaunes, mais je vous assure, celles-ci sont rouges. Il y a 25 pièces dedans, donc le modèle, le dessin, vous le voyez bien, mais bon, elles sont rouges, c'est pas la couleur que vous voyez. Donc j'ai pris un rouge, dans la même forme, j'ai pris ça, c'est brun, en vrai, c'est fou comment la couleur de la caméra change les couleurs, donc ça, celles-là, elles sont brunes. Il y avait des jaunes aussi que j'ai pas pris dans le même format, et alors, il y avait celles-ci, qui sont orange et pas jaune, comme vous le voyez, elles sont orange et vertes. J'aurais bien aimé les trouver en rouge comme là, mais il n'y avait pas. Donc j'ai déjà pris ces trois modèles-là et c'est 59 centimes le paquet. Ensuite, le petit bac de rangement que j'ai acheté essentiellement, parce que ben, vous savez, j'ai acheté toute cette petite gamme-ci, plus mes cristaux, etc. Je commence à en avoir trop. Et donc j'ai acheté ce petit bac de rangement. Vous savez, il y a un côté plus bas. À 1,39€ parce que logiquement ça va s'emboîter convenablement dans mon trolley et donc c'est ce que je cherchais. Par contre, pour moi, nouveauté, ils ont rentré à nouveau les aquarelles liquides. Mais quelle est la nouveauté? Donc voilà, il y a que deux lots, hein. Il y a ce lot-ci et ce lot-là. Alors, au premier abord, je me dis, oh, je les ai, j'en ai pris beaucoup. Et puis, en fait, mes yeux se sont arrêtés sur les couleurs que je vais vous montrer de plus près.
Et c'est juste que le carton est pas facile du tout à retirer. Et en fait, surprise, surprise, regardez-moi les couleurs. Je sais pas si vous allez les voir, mais je vous ferai un test du rendu. Ici, on a du violet. On a un bleu, mais pas du tout comme les autres bleus. Celui-ci, j'ai un petit doute, il ressemble peut-être à l'eau turquoise. Celui-ci, d'office, vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est un turquoise plus clair, je suis sûre de ne pas l'avoir dans les anciens. Et ici, on a un magnifique vert pomme. Donc, je ne regrette pas du tout d'y être tournée presque 3 fois, en hésitant, et en fin de compte, d'avoir regardé de près. Bon, vous allez me dire, si j'étais un peu plus attentive, je vais essayer de vous le rapprocher, les couleurs étaient là. Mais bon, on ne se refait pas, toujours à la va-vite. Alors, j'essaie de vous ouvrir l'autre. Alors, ici, on a cette couleur-ci, qui est un rose pâle. En fait, les couleurs sont plus dans le turquoise, comme d'autres gammes qu'ils ont fait. Ah, regardez, j'ai à peine touché les peaux. J'ai déjà du vert sur les doigts. Donc faites attention quand vous les manipulez. Celui-ci, par contre, je pense qu'il ressemble à un des roses que j'ai déjà. Mais bon, il y en a peut-être un ou deux que j'ai déjà, mais franchement, les autres, pas. Ici, on est dans une espèce d'orangé saumonné. Et ici, c'est un orange. Vous voyez jaune, mais c'est orange. Comment vous dire que je suis toute contente et que je râle juste un petit peu beaucoup, que j'ai plein de choses en retard et que je ne sais pas quand je pourrai faire les tests, parce que j'ai vraiment hâte, en ayant vu les couleurs, de pouvoir patouiller avec. Donc voilà, pour en revenir au concours. Comme je vous disais, après avoir longuement réfléchi, je me suis dit, est-ce que je fais un appel de créa? Oui, non, peut-être. Et en fin de compte, non. On va faire un simple tirage au sort, comme pour les 500 abonnés. Donc c'est un ordinateur qui va décider. C'est pas moi qui aurai la difficulté de choisir, de trancher, de ceci, de cela. Déjà, je l'ai fait, je préfère le tirage au sort pour cette raison-là. Deuxièmement, j'avais peur, après les 500 abonnés, qu'il y ait de l'abus, que les gens s'abonnent et puis se désabonnent. Ça n'a pas été le cas, donc je retente l'expérience. Et puis, troisièmement, comme vous le savez, ma chaîne est une chaîne de scrap, mais j'ai aussi énormément d'abonnés qui sont là pour mes hauls actions. C'est vrai que ces derniers temps, mes hauls actions, je les ai beaucoup plus axés sur ce qui est scrap, mais en tout cas, c'est ce qui plaît. Donc, on va faire un tirage au sort, mais seulement il y aura 2 gagnantes. Il y aura une gagnante où ce sera un lot scrap, tout le plus simple du monde, ce sera un lot scrap. Je dévoilerai quand j'aurai fini les créas et quand je serai prête à dévoiler ce qu'il y aura dans le lot, je vous le dévoilerai. Mais voilà, je ne veux pas non plus le dévoiler à l'avance parce que je sais que vous allez être nombreuses à participer, tout simplement parce que vous me suivez, mais je n'ai pas non plus envie, enfin, vous me comprenez. Et il y aura un deuxième tirage au sort où là, je ferai un petit package avec des petites choses qui viendront évidemment de chez Action et qui ne seront pas spécialement du scrapbooking, qui seront peut-être, je ne sais pas, du loisir créatif, mais que tout un chacun peut utiliser. Je pense par exemple à des crayons de bois ou des stylos. Je glisserai peut-être bien l'une ou l'autre petite chose beauté dedans parce que maintenant que j'ai passé les 1000 abonnés et que j'ai mes statistiques, vous êtes quand même 99% de femmes à me suivre. Donc voilà pour les modalités, tout simplement sur cette vidéo-ci, vous me laissez un commentaire parce que sans commentaire, vous ne ferez pas partie du tirage au sort. Donc vous likez cette vidéo-ci, vous commentez cette vidéo-ci. Vous devez bien évidemment être abonné à la chaîne et c'est tout ce qu'il y a à faire pour le tirage au sort. On va considérer que nous sommes déjà le 15 août. Généralement, je laisse 2 mois pour que vous ayez le temps et moi de mon côté que j'ai le temps de préparer les lots aussi. On va dire que je fais le tirage le 15 octobre. Donc voilà pour les modalités du concours. Je vais bien évidemment mettre concours dans le titre de cette vidéo, mais j'en parle à la fin. Pour que celles qui aient vraiment envie de participer, en fait, suivent mes vidéos jusqu'à la fin.
Voilà, ben, que vous dire à part encore à l'heure actuelle, mille dix merci. Merci d'être là, merci de me suivre et voilà, mon banquier ne me dit pas merci, hein, ce mois-ci avec Action, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais ça doit être la chaleur, il fallait que ma carte de banque fonde. Donc voilà, non, trêve de plaisanterie, comme d'habitude, à gauche, à droite, mon compte Facebook, mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre, voilà, je passe sur les réseaux sociaux tous les jours, donc voilà, je vous fais des scraps bisous et je vous dis à tout bientôt.